Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi et là on est à Créteil Soleil. On va faire un petit tour à Primark avec Ayoub. Et je voulais vous dire, comme vous avez pu le voir sur Snap, d'ailleurs je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de messages et tout, de courage et tout. Vraiment merci beaucoup. Donc c'était pour vous annoncer en fait que Cacahuète s'est fait écraser mardi ou lundi. Qui s'est fait écraser lundi, donc on a été genre hyper triste. Enfin moi j'ai vraiment été touchée, mais bon voilà, normalement on va avoir un autre petit chat parce que il y a une chatte qui a accouché il y a un mois à peu près. Elle a fait deux petits chats blancs et un petit chat noir et blanc, donc qui ressemble à Cacahuète, qui ressemble de ouf à Cacahuète. Vous le verrez quand je vous le montrerai de toute manière, sauf que lui il a les yeux bleus, donc on va le prendre et on va essayer, je l'espère, d'aimer un nouveau chat. Mais c'est vrai que j'ai été hyper touchée, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, les chats c'est un peu imprévisible. On sait quand il sort mais on sait jamais quand il rentre, parce que voilà quand il traverse ils vont pas regarder à droite à gauche, donc mais bon, vraiment j'étais vraiment triste, Ayoub aussi, mais bon, t'es ça où? Va aller. On essaye de pas trop y penser parce que dès qu'on y pense, ça y est, ouais, il va trop nous manquer, mais un truc de ouf. Enfin bref, on va faire un petit tour à Primark et on vous dit à tout à l'heure. À toutes. Bon, on vous retrouve maintenant. Il est quelle heure là? Il est 17h. Il est 17h et comme on n'a pas mangé ce midi, on va aller manger à Via Piano. Ouais, Ayoub il a trop faim, il me dit non stop, il mène les magasins, je vais manger, j'ai trop la dalle. Je dis bon allez vas-y, on va manger. On a acheté des petits trucs, c'est pas grave, on a acheté des petits trucs à Primark, à Bershka, et dès que je rentre je vous montrerai. Je me suis acheté un maillot, une tunique. C'est tout? Ouais c'est tout. Donc là on va manger. Ouais. Ah oui, et un pull à Bershka. Donc voilà, et là on va manger et je vous retrouve de toute manière après. Ah c'est là? Ouais, ça va. Bon, à tout à l'heure. Regardez, on s'est pris ça comme lunettes à Primark. Celle-ci, elle coûtait 3 euros. Et toi, montre les lunettes que t'as pris. C'est même que les tiennes. Oh, j'ai cru que c'était un miaulement de chat. Oh. Mmh. Ah, celles-ci, elles sont belles, elles sont frappées. Voilà. Elles ont coûté combien les tiennes? C'est la même chose, je crois. 3 euros. Attends, ouais, 3 euros. Moi aussi, 3 euros. C'est ça. Elles sont mignonnes, hein? Ah ouais, j'enlève peut-être le plastique qui est là. Ah si, j'aime bien, si, je te jure c'est qu'elles bon. Sont jolies. Faut prendre juste l'habitude de les porter. Mais là, vu qu'il y a un peu de soleil, on sort les lunettes. Mais regarde les vitres, elles sont... Enfin les vitres, ouais, mais j'aime bien. Elles sont vertes, jaunes. Ah si, elles sont jolies, regardez. Regarde, mais si, elles sont belles. Si, elles sont belles, Mariana, ça fait chelou là. De quoi? Non, c'est si. Comme ça. Si, là, ça fait chelou. Mais non, je te jure que non. Ouais, elles ressemblent à ça. Si, si, elles sont bien. Oui. Si, je te jure qu'elles sont jolies. Elles te vont trop bien. Elles sont belles, hein? Elles te vont trop bien. Ah, j'aime bien. Et il y en a des autres aussi, mais je vous montrerai à la maison. Bon, là, on est arrivé à la maison. Il fait super beau, j'ai genre pas envie de rentrer tellement qu'il fait beau, mais je vais voir si ma mère elle fait des trucs, si elle va sortir ou pas, sinon je vais rester à la maison, je vais travailler un peu mes cours. Et toi tu as révisé? Oui.
Arrête mytho. Il va rien réviser du tout. Il va rien réviser du tout, je t'en prie. Grave. Bon. Non, avec ce temps-là, tu vas pas réviser. C'est ouf, hein, ça te donne envie de profiter de la journée. J'ai envie de sortir. T'as vu là, c'est gris là. Madame Météo France. Quelle est madame, qu'est-ce que vous en pensez de la météo de... Il va pleuvoir dans quelques temps, je le sens. Bon, ça y est, je suis rentrée, donc je vais essayer de vous montrer. Donc celle-ci, c'est la première tunique que j'ai achetée chez Bershka. Donc elle ressemble à ça. Donc voilà, c'est une tunique d'été, hein. C'est un short, c'est une combinaison short. Et je la trouve genre super jolie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est super ample et elle est longue derrière. Enfin, c'est un short, hein. Je préfère quand c'est les shorts que quand c'est les, que quand c'est les jupes. Donc voilà, elle ressemble à ça. Et je la trouve vraiment très mignonne et très classe pour le soir, pour partir au restaurant ou des trucs comme ça. Je la trouve super mignonne. Donc celle-ci, elle a coûté exactement 19 euros. Donc ensuite, je me suis pris ce sweat chez Bershka à 12,95 euros. Il y en avait en noir, en rose et en rouge. Mais je me suis pris en gris parce que ça reste soft et voilà. J'ai calé un legging hein, pour que vous voyez bien un peu le rendu. Pas pour être à l'aise dedans et tout. Et puis c'est des sweats que j'aime bien avoir dans ma garde-robe. Parce que c'est des trucs hyper à l'aise où le dimanche par exemple t'as pas envie de t'habiller. Bah tu mets ça comme je vous ai montré avec un legging et ça passe bien, une paire de baskets. Et voilà. Franchement elle est super, elle est longue derrière comme vous pouvez le voir. Et voilà, il est super joli, donc je l'aime beaucoup. Oh, que j'ai pris, c'est chez... chez Primark. Ouais, je l'ai pris à 7 euros, il est comme ça, il est super simple. Avec des petits oiseaux là qui sont là. Et voilà, il se présente comme ça. Et je trouve super joli aussi. C'est des trucs qui sont vachement à la mode depuis déjà l'été dernier. J'en ai déjà deux comme ça. Il y avait aussi blanc, couleur blanc, et il m'a dit de prendre aussi le blanc, mais je me suis dit bon non, je vais déjà essayer celle-ci si ça me va, si la taille elle est bonne, et après on verra parce qu'à Primark il y avait trop de monde pour aller essayer. Donc voilà, elle ressemble à ça, elle est comme ça. Bon, c'est un truc super simple, hein. Je pense que ça vous en voyez un peu de partout. Hein. Voilà. Après je vais vous montrer deux choses que j'ai encore achetées, c'est un maillot de bain et un haut de maillot de bain. Bah attendez, je vais vous montrer. Oh, j'ai pris taille 38 et le bas taille 38 aussi. Et il est comme ça, il est super joli. C'est celle que j'ai flashé dessus à Primark. Et avec le bas, je vais vous montrer. Le bas, j'ai pris taille 38 de base en maillot de bain. Je préfère prendre taille 40, mais l'autre taille 40, je voyais qu'il était beaucoup trop grand. Donc j'ai pris taille 38 en espérant que ça me va. Et voilà, donc il ressemble à ça. Et j'ai pris avec, vous savez, pour mettre au-dessus des maillots de bain, que ce soit à la piscine ou à la plage, l'ensemble en fait, tout compris. L'ensemble. Et voilà, elle est comme ça, c'est une petite tunique trop mignonne. Attendez, je l'ai portée à l'envers. Ouais, elle est comme ça. Et elle est trop jolie. Je la trouve trop trop mignonne. Tout à l'heure, on a fait un abonnement avec Ayoub sur Netflix. Et on va regarder une nouvelle série qui est, je crois, sortie hier. Et c'est celle-ci, avec, je crois, Serena. Ouais, c'est avec elle. Je crois que c'est Serena, elle. L'ex de Justin Bieber, je suis pas sûre mais je crois que c'est elle. Enfin bref, donc on va regarder ça, mais en attendant que Ayoub arrive parce qu'il est parti avec mon père faire quelque chose, je vais me démaquiller et voilà. Ah oui, mais attendez, je vous ai pas montré aussi cette paire de lunettes que j'ai acheté à Primark. J'ai acheté celle-ci. En fait, j'aime bien le petit côté pique doré. Je trouve ça joli. Et celle-ci, elles étaient à 3 euros aussi, pareil. Bon, là, faites pas attention, il y a la petite étiquette. Mais j'ai oublié de vous les montrer. Là, j'allais ranger tout dans la valise et j'ai oublié que je vous avais pas montré celle-ci. Donc, franchement, elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. Donc là, je vais ranger en fait toutes les affaires. Je vais aller en pyjama et je vous retrouve après. Papa, te amo, maman, je t'aime.
Je vais le mettre. Bon, je vais clôturer le vlog maintenant. Il est 22h. Allez, je te vole ton appareil. Allez, hop là, appareil confisqué. Ayoub, j'ai envie de dormir. Zoom frontal. Allez, vas-y, tu peux conclure. C'est bon? Ouais. Mais je suis pas à l'aise, la caméra. Non. C'est trop loin. Non, non, je te jure, t'es juste à côté. Ah ouais? Ouais. Bah, je vais clôturer le vlog. Arrête de faire la gogole. Parle correctement. Bah, je suis perdue. Vas-y. 3, 2, 1, action. Vas-y. Action. 3, 2, 1, action. Bonjour tout le monde, on nous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Non, sérieux. Bon, là, je vais clôturer le vlog. Je vais le poster pour demain matin. Ça me stresse, c'est perturbant. T'es en train de tourner. Non, vas-y, ça, je te jure, ça le fait. Je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Big love, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!